Hey les gens, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la vidéo on parlera des noms des lapro. Donc celle-là, j'avais décidé un nom, mais dites-moi si c'est bien. Donc il n'y a que elle qui a un nom pour l'instant. Donc c'est une femelle. Elle aussi c'est une femelle, donc voilà, assez mignonne. Et elle aussi c'est une femelle. Et le petit alezan que je garde aussi, donc je les garde tous, c'est un mâle. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est séparé. Et il a du pain et de l'eau et des copeaux pour faire ses besoins. Et une petite cabane là à lui. Et du coup, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Je lui ai fait un parc et tout avec voilà. Tout seul là par contre. J'ai attaché avec des bouts de grillage, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc on va pas s'arrêter là-dessus. Donc le nom de celle-là, donc j'ai parlé, je pensais à Blanchette. Par contre, lui, je n'ai pas de nom, donc faut vraiment réfléchir. Donc voilà. Et les deux là, les deux petites filles là. Vraiment les deux petites fillottes, vraiment trouver des noms parce que là que dalle comme nom. Donc j'ai la mère, donc elle s'appelle Mona, donc elle vous la connaissez déjà, mais les lapro, faut vraiment que je trouve des noms là, parce que si je la referai, si ma lapine re-a des lapro après, vraiment que je m'en, après faut que je les sépare et tout. Donc les noms c'est assez important pour moi quand même, et puis voilà. Donc c'est pour le carnet de santé et tout, donc voilà. C'est tout pour le blabla et tout, pour le certificat et tout. Donc c'est pour les vaccins après. Donc c'est obligé là, le nom et tout du sur le carnet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vraiment, et n'hésitez pas à n'importe quel nom. Il faut vraiment pas hésiter à donner des noms parce que même, je sais pas, Kissy ou Chaussette ou plein de trucs comme ça, des trucs bêtes. Mais franchement, donner chacun... Si vous regardez cette vidéo, chacun donne un petit mot. Puis même si vous mettez juste la couleur blanc avec blanc tout blanc ou blanc avec quelques petites taches et le nez qui est séparé, bah ce sera celui-là. Ou blanc avec deux petits points noirs là-dessus, bah ça sera lui. Et l'alezan, bah ça sera lui quoi. Donc voilà, donc je sais que beaucoup de personnes l'aiment bien, donc donnez-lui des noms, un nom, mais comme ça je ferai une feuille et j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc aujourd'hui j'essaierai d'en sortir deux, c'est pour ça que celle-là doit être courte. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un like et mettez un petit commentaire, donc ça fera toujours plaisir. Donc salut.